Ah, mais c'est ça que j'oubliais. Ouh, je fais tout tomber. Comment commencer un live en beauté? Matt, t'as coupé ton micro, je suppose que c'est volontaire. J'espère que c'est volontaire. Oui, c'était volontaire, je faisais du bruit. Alors, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal, il y a mon chéri qui joue à Isaac. Et il rage un petit peu. Ça va. En même temps, c'est un rageux. Mais bon, il est avec une rageuse. Eh oh. Bon, du coup, ça je ferme, ça je ferme. Est-ce que j'ai ressorti le chat? Je croyais que j'avais sorti le chat, mais apparemment pas. Ça me dit une erreur réseau est survenue. Est-ce que Matt, toi tu vois mon live? Oui, je vois ton live. D'accord, bah, c'est peut-être moi qui a bugué. Ah, ça, là. Ah bah moi je t'entends bien pour ça. Non bah je sais pas. Ça a l'air de fonctionner. Du coup, tic tic tic, ça s'est fermé, ça s'est fermé. Paf et paf. Voilà. J'ai déjà cliqué sur continuer mon aventure. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah oui, c'est vrai, ma sauvegarde safe, au cas où. Alors, Téné a remonté le temps et se retrouve au haut d'Arborea, l'épée des ombres dans le dos. Il y retrouve ses compagnons et ensemble, ils se mettent en route vers le cœur de l'Yggdrasil. Là, la scène se rejoue à l'identique et ils sont attaqués par Jasper. On le sait. Toutefois, équipé de sa nouvelle épée et sachant que ce que l'ennemi prépare, notre héros parvient à repousser l'attaque et inflige à Jasper la correction qu'il mérite. Alors, sachant que l'ennemi, ce que l'ennemi prépare, moi, j'avais l'impression qu'il s'en est souvenu un petit peu au dernier moment, mais... Le roi Cornalian, arrivé sur le lieu avec Hendrik, dit à Athénée qu'il doit prendre l'épée de lumière, la seule arme capable de vaincre Mortegor. Il invite ensuite nos héros à un banquet organisé en leur honneur au château d'Héliodore. Notre héros se retire pour se reposer, laissant ses amis s'amuser. Le roi Cornalian profite de son sommeil pour pénétrer en sa chambre, bien décidé à s'emparer de l'épée de lumière. Sans succès, lorsque les compagnons de Téné entrent dans la chambre sans crier gare, ils voient le vrai visage du roi. C'est vrai qu'ils étaient tous au taquet en plus, pour rentrer dans sa chambre. Je sais plus ce qu'on devait faire. La salle du trône. Bah let's go. Hein. Je me trompe de touche. Oula, eh oh, le jeu, tu lag pas, hein, t'as pas le droit. C'est ça pour courir. Faites des dons pour le nouveau PC. Non. Je ne sais pas si moi. Je sais pas. Ah, cinématique. We've got you cornered. Elle m'avait manqué, Véronica. Now let the king go and show us your true form, fiend. At last. I have been enjoying Carnelian's hospitality since the day Dundrasil fell. Oh, voyons. But the game ends here. I have wasted too much time already waiting for you to lead me to the Sword of Light. And since I was unable to steal it from you, it seems I must take it by force. Very well. Come to Mordigan like good little lambs and die. Bien sûr, bah oui. Ah.
Vardigan. So it's you. I've waited years for this day to come. Not only Jasper, but His Majesty too. Your deception shall not go unpunished, devil. You have been a serviceable puppet over the years, Hendrik. But it is time you joined your... Du coup, ça m'étonnerait, mais pour équilibrer le fait qu'on ait sauvé Véronica, est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre qui devrait mourir, tu vois, enfin... Je sais pas. My... You mean it was you? You who massacred my people? It was all you, wasn't it? The destruction of Dundrasil. The families torn apart. You've stolen so much from so many. And now you're going to pay. I stand with you, Luminary. My loved ones, my countrymen, they must be avenged. Baston! I'm with you too. This is the guy who's had it in for you all this time, right? Let's show him who he's been messing with. Well, Luminary, what are you waiting for? Come, give me your power, that I may rule over this world unopposed. Ah oui, baston, baston, quoi. Ok. Je l'ai jamais affronté sous cette forme, je crois. Ça me dit rien. Alors, il est tout seul, donc combo d'équipe. Ah, c'est vrai qu'il est niveau 45, lui. Brutal. Shadows, hear me. C'est quoi ces conneries là? Ah, du coup, ok. Elle a pas de truc de zone, elle. Non, enfin, elle en a plus en tout cas. Coup de pied retourné, touche cible au ennemi volant. Bon, je sais pas s'il est considéré comme un ennemi volant, même s'il touche pas sol. Est-ce que je tape les bâtons avec elle? Oh, j'ai pas envie de taper les bâtons avec elle. Je sais pas ce que ça fait les bâtons. On verra bien. Au pire, si on meurt, on meurt. C'est bien, Jade. Mon chéri dit des bêtises. Je sais pas si vous l'entendez, mais il dit que des bêtises. Est-ce que les bâtons, c'est des... Ah, c'est des groupes d'ennemis, les bâtons. Donc ça peut être intéressant. On va faire un petit super crame sur les bâtons. Mais j'ai pas refait mon équipe comme je veux, moi. Je crois que je sais pas si... Ah non, d'accord, j'ai pas... Ah ok, je suis 5, mais lui, je le dirige pas. Il est juste là pour être là. Ok. Alors, attends. Toi, tu vas soigner ma petite Jadounette. C'est important de soigner Jadounette. Ah, le bâton, il évalue la situation. Parce que le bâton, il est intelligent. Ok. Quand même. Je pense pas qu'on va réussir à le tuer tout de suite, il va forcément se passer un truc. Incinère un groupe d'ennemis avec une explosion brutale. Est-ce que ça peut marcher sur les bâtons, ça? Oui, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Faudrait que j'essaye un truc genre bang. Voir ce que ça donne. Niveau vie, ils sont bien. Est-ce qu'elle a des petits sorts cool? L'agilité. Protection. Augmenter légèrement la défense de tous les membres de l'équipe. Ça peut être pas mal. Oui, bah, si tu fais le même truc, c'est pas très utile, Hendrik. Hein, mais...
Les effets des sorts de soins ont été inversés, c'est ça qui est écrit? Je suis pas très sûre, j'ai pas le temps de lire, mais on va faire gaffe. Du coup, faut pas que je fasse de sorts de soins, c'est ça? Ok. De quoi? Si tu fais un sort de soin à l'adversaire, ça ne fait pas. Je peux pas faire de sort de soin à l'adversaire. On rend tous les PV à tous les alliés. Bon, c'est pas très utile là. Est-ce qu'elle a des. Ou alors, attends, je vais pas la soigner avec. Je vais voir si un autre. Frappe un ennemi avec un coup chargé de sensualité. Oh. J'ai envie d'essayer ça. Juste pour rigoler. La foufougue. Oh, Jade. Je crois que je l'avais déjà fait, mais je me souviens plus. Enfin, je me souvenais plus. C'est le pouvoir de l'amour. Oh, pas mal en plus niveau dégâts. Alors, ah, j'ai que un bang, donc maintenant je vais rester à super flamme. On va bientôt cramer les trucs là. Alors, est-ce que tu as des objets de soins? Herbe médicinale, t'as pas mieux? Non, bon bah, herbe médicinale, c'est déjà pas mal. Ah, d'accord, donc même ça, les objets de soins aussi, ça te fait des dégâts. Mais c'est dégueulasse! Pas très cool, je crois qu'on va perdre Jade. Tous les trucs de soins, ça me fait des dégâts, c'est ignoble. On va répéter encore les bâtons, parce que moi j'aime pas trop les bâtons. Ils sont morts là, c'est bon. Ouais, quand même. Jade, t'es carrément dans la merde, mais je peux rien te faire. Elle est ni éblouie ni aveuglée, hein, donc c'est pas ça. Bon, on va juste faire un sort d'attaque plus ou moins normal. Jade, elle est dans la merde. Bon, elle a fait sa vie. Et la brume là, elle part à un moment ou pas? Parce que c'est pas possible quand même de pas pouvoir soigner Jadounette. Ah, elle rate tout. Pauvre Jade. Alors. Tiens. Non mais Serena, elle pète des câbles. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc qui protège des sorts du coup lui. Ouais, mais bon, d'accord. Ah, la brume elle s'est dissipée. Est-ce que je vais réussir à soigner Jadounette? Attends, c'est tout ça la question. Toi t'as des sorts de soins, ouais bah soigne Jade parce que là ça craint quoi. Parce que Serena elle est dans un monde parallèle. Oh Jade, t'es niveau 29 mais t'es devenue toute nulle. Ça se fait des PM, toi t'as pas de sort de soins. Moi tu tapes hein. Attends, avant qu'elle tape, je vais faire ça. Ok. Jade, tu te réveilles pas. Non mais vas-y, fais ta vie.
Ah, lui aussi, il a cette attaque. Il pourrait taper parce qu'il fait des dégâts, mais faut quand même soigner les potes. La Véronica, faut la soigner, faut soigner tout le monde. Là, ça craint. Attends. Je sais ce que je vais faire plutôt. Déjà, tu tapes. Je vais sacrifier cet objet-là parce que de toute façon, je vais l'oublier à un moment. Donc là, je sais qu'il est là, voilà. Je vais soigner tout le monde. Là, je suis tranquille parce que Serena, elle est vraiment. Sa vie là, ça sert à rien. Toi, tu vas me faire un super crame sur les bâtons. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle demande du renfort, mais personne se montre. Bah oui. Tout va bien. Il a combien de PV, Hendrik? Parce que. Au bout d'un moment. Toujours pas, ok. Il tient le coup, hein. Bah là, il fait le tank. Bah non, pas de soins. Mega Banga. C'est quoi ça déjà? Ouais. Non, Mega Banga, c'est très bien. Oh oui, c'est très très bien, Mega Banga. Alors, c'est vrai que t'as toujours pas de sort de. Bon, bah, top Mortegor. S'il te plaît, réussis. Oh, t'es trop nul. Chat, tu me déçois. Depuis que t'es redevenu niveau 29, tu me déçois. Quoi? Serena s'enfuit. Mais j'en peux plus. C'est quand qu'elle est plus confuse? Parce que c'est long comme truc, ça. C'est un peu chiant, même. Let's heat things up! Des sorts de soins et les autres effets positifs ont été inversés. Donc faut vraiment pas faire de buff ou de trucs comme ça. Bon, je vais lui faire un petit attention derrière. Ah, mais même pour redonner des PM, je vais pas pouvoir. Bah, je suis dans la merde. Il y a un bâton en moins. Serena est toujours. C'est pas grave. Hein. Hendrik est toujours en mode super-héros qui n'a peur de rien et qui ne souffre pas. Ça m'embête hein, qu'elle n'ait pas vraiment d'attaque, mais. Ah, pas assez de PM, ça non plus, ça non plus. Et ça, ça tu peux, mais c'est pour un groupe d'ennemis. Bon, on va juste le faire attaquer. Je peux attaquer Serena. on va attaquer Mortegor. Ah! Non, sérieux? Ok. Bon, il va se passer un truc, hein, mais... Ok. 16 000 points d'XP. Oh. Things are looking up. Ça, j'aime bien ça. I just keep getting better. Ah bah super banque, c'est exactement ce qu'on avait besoin pendant ce combat, mais c'est pas grave. Serena qui a passé tout le combat à faire de la merde, c'est terrible. Oui, faisons les points de compétence maintenant avant de nous oublier. Alors Serena, je sais plus ce que je voulais t'apprendre. Pas grand chose en fait. Hein. Je vais lui faire ça. Comme ça, je vais pouvoir débloquer ce truc là. Ah bah oui, parfait. Jade 19 points, il y a moyen de faire des trucs, mais je sais plus quoi. Délivrance, tir groupé,
Ça, j'aimais bien. Éclair divin. Ah, ça, c'était bien. Ça, c'était mon attaque que je faisais tout le temps. On va faire ça. Et les autres, c'est pas suffisant. Oh, pardon. Où la parole? Le courant que j'ai remonté le temps. Mais genre il est mort. J'y crois pas trop. Hein. Father. Father, are you all right? Jade, can it really be you? Have I been dreaming? The last I remember is the attack on Dundrasil. After that, all is black. Tu t'es pris deux décennies dans la gueule. Wait, that mark. The child, the luminary. But you were a mere babe in arms when I last saw you. Ça doit faire archi bizarre quand même. There is clearly much we need to discuss, but you must forgive me. I'm still feeling rather faint. Father, you mustn't overexert yourself. Come on, let's get you to bed. I need to look after him. We'll meet here again tomorrow, all right? Elle est tellement jolie, Jade. Avec cette tenue-là, j'aime trop. Ouf, those two are going to have a lot to catch up on, huh? A lot. Tout le château apprend bientôt que le roi Cornalian était sous l'emprise d'un démon maléfique. Pendant que le roi récupère, Téné et ses compagnons profitent d'un repos bien mérité. Il est chelou ce petit machin quand même. Hein. Le roi désirait te parler, ils t'attendent tous les deux dans la salle du trône, ok. Voilà, c'est qui elle qui m'attend à ma porte, mais calmez-vous les gens. Mes poteaux. Il y a mon moment. Mon petit soldat, encore une fois, fait la fierté de sa vieille maman. Truth now. Hard as it was to swallow. The things I did while under the monster's spell are almost too terrible to contemplate. If not for you, this kingdom, no, this entire world would have been turned to ashes.
All would have been lost to Mordiggan. J'en reviens pas qu'on l'ait battu si facilement. A true hero stands among us. En même temps, il avait pas volé mes pouvoirs et tout, mais je sais pas. You are a worthy heir to the legendary Erdwin. Truly, you are the luminary, our light and our hope. Ouais. You really did it, huh? What's the matter, Veronica? I don't know. I just welled up all of a sudden. But where else would you be, you silly thing? En fait, elle pourrait être morte. You're right. I'm being stupid. Sorry. Thank you. For everything. Qu'est-ce que c'est que ça? What's going on? I sense something awful, something truly, truly evil. But where is it coming from? What was it Mordiggan said just before he died? Something about not being the only one who defied the flow of time, right? But what did he mean? Your Highness, please, you must come quickly. It's Erdwin's lantern. Ah. What? The balcony, upstairs, quickly. Mais on s'en était pas occupé déjà, ce truc? Après, il y a le petit bitonio noir, il est parti, donc... Attends, il a dit où? J'ai pas écouté. Le balcon à l'étage, faut qu'on monte là-haut, du coup, je suppose. J'espère. Je suis perdu. Il y a un petit ch'toubidou! Je suis perdu. Oh là là. C'est ici, à part là peut-être. Ouais, c'est ça. Coucou Spectra, ça va? Sorti sur le... Oui, sortons sur le balcon. Je vous avais dit que c'était pas fini. Never seen its like. Look over there. Erdwin's lantern. It's falling. Mais du coup, j'arrive pas à savoir si ce truc ça s'est passé avant ou après la mort de Veronica. Je suis paumée. Vous êtes censé être 3, mais t'es seul à part le spectre. Ah oui, c'est ça. C'était après. Alors, faut mettre des espaces entre les mots. Du coup, hein.
m'écoute jamais. Alors. T'es pas très beau. Un ennemi encore plus gros et encore plus puissant. Edwin's lantern has fallen. I fear this bodes ill for us all. I dare make this request of no other, Luminary. Ben, bien sûr. I must ask that you investigate. The great star fell to earth in the celestial sands. They can be seen from the Emerald Coast. That must be your first port of call. Côte d'Emeraude, ok. Sire, I would ask your leave to join this expedition. I cannot atone for all that I have done. But perhaps in joining you, I might repay my debt at least in part. Luminary, I will be your sword, oui, your shield, your unswerving companion. C'était obligé qu'il y ait des conséquences à ce voyage dans le temps, de toute façon. Je l'avais dit, c'est logique. Aïe aïe aïe. T'as toujours des conséquences. Bah écoute, ça va. J'étais voir le roi Lyon ce matin. Aïe, je me suis acheté Kingdom Hearts 2.8. Je suis contente. Téléportation, Côte d'Emeraude, on a dit. Hein. Donc, je trouve ça. Mais... Je sais pas s'il y a un. Est-ce qu'il y a un téléporteur à la Côte d'Emeraude? J'ai un doute. Voilà, Cobaltin, c'est à Cobaltin qui est à la Côte d'Emeraude. Enfin, c'est à côté. Ah, je peux pas me TP. Oh, super. J'adore. Le jeu m'encourage pas ma flemme, c'est trop nul. Ah, ok. A plus plus, Spectra. Bon bah go hein. Aïe aïe. Allons-y. Attends, je dis au revoir à elle. J'espère qu'on pourra retourner à Cobaltin ensemble une fois ton entretien avec le roi terminé. Mais c'est raté. J'espérais, pardon. Le travail de l'éclairé n'est jamais terminé, on dirait. Mais si tu passes par Cobaltin lors de tes voyages, eh bien, tu vois, n'oublie pas de venir dire bonjour. Mais oui. Oh là là. Du coup, je peux vraiment pas m'y TP? Je suis obligée. J'ai la flemme. Bon, tant pis. Il va peut-être se passer un truc quand on va sortir de la ville. Les gens, ils ont pas l'air très perturbés. Ah, ça, je savais pas. Tu peux acheter des pierres du perfectionniste et, ou d'autres pierres pour la transforge à notre maître des médailles. Ah bah, c'est pour ça qu'on peut pas se taper. Parce qu'il y a une cinématique ici. Oh là là. Je crois que toutes licences confondues, celles les musiques de Dragon Quest, c'est mes préférées. Tout, je suis perdu. Côte d'Emeraude, tournez à gauche. Tout,
Oh, dragon! Baston! Est-ce que c'est considéré comme une bête, un dragon? Non. De toute évidence. Je l'ai choqué. Alors, tic tic tic. Ah, t'as pas beaucoup de sorts d'attaque, toi. Bon, on fait une super tornade, là. Est-ce que les deux sœurs, elles ont... Non, c'est nul. Enfin, c'est pas utile. Donc tu vas te battre. Let's heat things up. Évidemment, il attaque celle qui est par terre. Bestial, ça sert à rien. On peut faire éclair divin à la rigueur, mais bon. Elle a réussi, c'est bien. Bonne jadounette, ça. Ouais, il me l'a mis KO, mais genre d'un coup, il est fou. Attends, est-ce qu'elle est morte? Papy, tu l'as le rappel? Ouais, tu l'as le rappel. Bon, je vais juste taper ce dragon par principe parce qu'il était gros, mais... J'aurais pu m'abstenir. Puis il y en a un autre. Mais c'est bon, j'en ai déjà fait un. Faut pas non plus pas faire tous les dragons de la map. Hein. Oh, mais il y en a plein. On se pousse. Il y a pas de PNJ là. Il y a des pots. Descends. Ça faisait longtemps. Il n'y a rien dedans, c'est pas grave. Coucou Loulou. Je suis pas une vandale, c'est juste ça fait partie de ma thérapie de casser les pots. Ça m'aide à aller mieux. Ah, ça pue ce truc qui vole là. It's enormous. You can say that again. What the heck is it? It's giving off waves of, oh, I don't know what, but whatever it is, it's certainly not pleasant. Well, then it can't be Erdwin's lantern, can it? We need to do something about it, whatever it is. Well, well, dear Luminary. It seems you were in quite the pickle. Tu qui me parle? Mordigan, you're alive! Je vous l'avais dit. You're seeing these Mordigan now, you ah say? Bon? How very intriguing. C'est qui alors? Well, no need to panic. Ah, d'accord, ok. I'm not Mordigan. It's me. The one you people call
the seer. Pourquoi t'as pris cette apparence-là? C'est chelou quand même. Wait, how can you be the seer? Oh, anyone can be the seer, my young friend. Or should I say, seer can be anyone. Depends on how you look at things, really. Anyway, we can't have you all on edge like this now, can we? One moment. Ouais, c'est mieux. C'est moins stressant. Now, where were we? Ah, yes. I was having a lovely vision of you all riding Cetacea. C'est marrant parce que son apparence, j'ai l'impression que ça détermine aussi sa façon de parler, le vocabulaire qu'elle utilise, quoi. Mais bon. What the heck are you talking about? Let's just say that the hallowed tones of the Flute of Legend will carry you to every corner of the land, and leave it at that, shall we? The what of the what will what? Ah, ils ont pas connu ça non plus. Voilà, c'est bizarre parce que moi je sais trop de choses et ça me perturbe. Time, you know. I wouldn't stand there gawping like that if I were you. I don't know how legendary it is, but we do have a flute. Do you think this could be the one? Je peux dire non. Ouais. Well, it's the only one we've got. Can't hurt to give it a go. Et tu vas réussir à placer ta serre ici? Apparemment. Is anybody else seeing kind of a huge, enormous whale flying through the air? Didn't the seer mention us riding something called Cetacea? Oh my, she couldn't have meant that, could she? What's that gormless grin for? Anyone would think you went flying around on whales for fun. Oh, pas toute ma vie, mais un petit peu, ouais. Well, I'm game if you are. All aboard! We've got a whale to catch and some watches to meet. Ah ouais? Wow, elle est mignonne cette assiette, regarde, elle fait des grands sourires. Alors attends, calme-toi. C'est vrai que ça s'arrête pas ce truc. On va y aller direct, hein. Dans la bouboule. Ah, je peux pas aller dans la bouboule. Bah je dois aller où alors? Derrière? J'ai pas écouté ce qu'elle a dit la dame. C'est là que je dois aller? C'est quoi ici? Galopolis. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit du coup. Elle a dit que j'allais avec ses ACA ou ça? Sur l'île des veilleurs. Ça y est. Excusez-moi. C'était le temps que ça revienne. C'est là-haut. This place is insane. Who builds a town on a rock in the sky? Long ago, all was peace, all was harmony.
Yggdrasil blessed us, faithful servants of World Tree. Mmh. Ah, du coup, comme l'arbre remonte, il est pas tombé, eux ils sont toujours là, c'est ça? But shadow fell. Horror from above. C'est pas sérieux quand tu parles avec ta petite voix là. Now shadow falls again. Perhaps he returns. Perhaps Kalasmas. Dark one. Hater of life. Bringer of death. Luminary. Cetacea rider. No time. Come. Speak with Elder. These will be the watchers that Seer Lassie was on about then, eh? It seems they know something of the Dark Star. Come, let us speak with their elder. Oh, attendez, moi je vais observer. Ah non, je veux pas partir, je veux juste observer. Ah non, d'accord, ça m'emmène là-bas. Ok, cool. Trop bien. Ils ont une petite auberge et tout. Je sais pas quoi ça sert d'avoir une auberge quand personne vient te rendre visite sur ton île volante, mais c'est pas grave. Il y a des pots. Poisson du ciel, pas de pattes, possède épines dorsales, plusieurs espèces. Vivent dans le ciel, différents des animaux terrestres. Respire par des ouïes, peau lisse et glissante, peau humide. N'aime pas de changement de température tiède, blablabla. Ok. Bah écoute, on va se prendre un petit moment à l'auberge parce que je suis full life mais je suis pas full PM donc j'espère que je pourrai dormir ici. À quoi ça sert d'avoir une auberge? Oh, des pots! Lit ici, pas l'humain mais peut dormir, confortable, agréable. Bah, passons la nuit. C'était ça le lit? C'est spécial, hein. Alors du coup on va prendre d'autres chemins. Je sais pas où ça m'emmène mais je vais tout explorer. Et du coup la grosse statue là-haut c'est la statue qui était dans les ruines avec... on a vu la fresque mais on l'avait pas vue en entier la fresque. J'avais dit qu'il y avait une espèce de titan et tout, je sais pas quoi. J'aimerais bien la voir la fresque, je pense qu'elle doit être là-haut. D'accord, il chante, il prie. Ok. Alors là, on est sur l'île principale, donc je verrai après. C'est trop cool, je suis trop contente. L'air flotte au-dessus du monde ici depuis le commencement, blablabla. Bla bla. Toi visiteur humain, bah non. Alors. Ça me fait tellement mal aux yeux que c'est écrit en majuscule comme ça. Oh, il y a une petite zone pour sauvegarder à côté. Ça peut être cool aussi. On va y aller. Fait beaucoup trop Namek ici, je sais que c'est le même créateur mais c'est un peu de recyclage pour le coup. Oui c'est vrai. Hop, mais c'est joli, moi j'aime bien.
Et je voulais aller tout là-haut, là-haut. Ah ben l'ancien en plus il m'attend là-haut, c'est parfait. Il n'y a pas de petit trésor caché, je suis un peu déçue. Ah bah l'ancien il pionce. Pratique ça. Eagle tap. Thought would wake the luminary, but no. Listen, tell Watcher story. Look. Ancient times, Palasmos comes, seeks power. Power of Yggdrasil. Brings evil, monsters, miasma, destruction. But Yggdrasil sees, sends savior, Erdwin, luminary, ancestor, rides Cetacea, crosses Erdria, gathers companions, Drustan, warrior, Serenica, sage, Morkant, sorcerer, join forces, make Sword of Light, long battle, Dark One defeated, peace return. C'est bien, et quand il te raconte une histoire, il fait des... pas des raccourcis, mais c'est concis, c'est bien. But if they beat him, what is he doing back? Not know. But know this. Your birth, your coming, you are light. Light to banish dark. But how? Not know. Seedlings. Huh? Elder! Elder wakes! Il a pas l'air très réveillé. Elder speaks! Silence! Listen! Seedlings of Yggdrasil. Seedlings. Ah, c'est les toutes petites feuilles que je savais pas quoi ça servait. Ok. Feelings, yes! Give gift, follow, Temple of Dawn. Oh, un cadeau. Une clé suprême. C'est la clé qui ouvre tout et que je peux ouvrir toutes les portes que j'ai jamais réussi à ouvrir jusque-là. Non, c'est dans les objets. Objet important. Ouvrir presque tout sauf quelques portes très spéciales. Cool. T'as changé le passé, qu'est-ce que t'as encore fait? Bah d'ailleurs, tu sais, Loulou, j'ai toujours pas mis les autres diffusions sur YouTube, j'ai eu la flemme. Et celle-là, je la couperai pas en plusieurs épisodes, je pense que maintenant je ferai les redis vraiment en gros tas parce que ça me fait perdre trop de temps. Et coucou au fait, oui. Et du coup, ça c'était Serenica, c'est ça? Ok. Ah oui, il a carrément la gueule du héros de, bah, du manga Dragon Quest en fait. Paf paf paf, paf paf paf, allons-y.
je vais les visiter là-bas et après on retournera sur l'île principale. Nous, les chimères, on passe si souvent, c'est l'endroit idéal pour faire une pause lors des vols intercontinentaux. Ok. Oh, il est tout rose! Qu'est-ce que tu vends? Ah, oh! Oh! Ça coûte super cher tout ce que tu vends, Loulou, là! C'est quand même... protège quelque peu des sorts entraînant une mort instantanée. Eh, c'est pas mal ce qu'ils vendent quand même. Hein. Ok. Bâton, elle utilise quoi? Elle en baguette, c'est une baguette. Elle se bat à la baguette, elle. Voilà. On prend les trucs, hein. C'est super cher, mais bon, vu tout le fric que j'ai. La lance. Invoque pas fort, début de combat, une bénédiction qui vous ressuscitera si vous venez à succomber. Mais c'est craqué! Gagné. Quoi? Gagné. T'as gagné? Gagné. Je l'ai pas entendu. J'ai gagné. GG. Âge de conquérant. Ah oui, c'est beaucoup. Moi, j'achète tout, moi. Attends, il a rien, Hendrik, en plus? Oh, le pauvre. Bouclier d'argent. J'utilise pas de bouclier. Je sais pas qui c'est qui utilise les boucliers. Je vais regarder après. Ça m'embête parce que j'ai pas envie de leur faire perdre leur costume. Armure miroir. Oh punaise, pour Eric, tous les PV, enfin tous les de la défense que ça lui apporte, c'est énorme. Je vais l'acheter pour Eric et pour Sylvando. Même s'il perd son costume, tant pis, Sylvando, c'est pas grave. Et Eric, il a pas de costume. Voilà. C'est vrai que Eric, je l'ai un peu laissé sur le côté. Est-ce que du coup, je mets ça? Ça peut être bien quand même hein, pour les filles. Hein. Je peux en prendre qu'un seul, cela dit. Je vais le mettre à Véronica, je pense. Parce que c'est elle qui a le moins de défense. Après, ça se trouve, j'ai des trucs qui se vendent, je sais pas. Est-ce que j'ai des trucs qui servent à rien et qui se vendent? Je sais même pas. Merci Loulou. Bah en fait, Eric il est cool mais en combat je l'aime pas. En fait genre j'arrive pas à me battre avec. Est-ce que j'ai des trucs qui se vendent? Je connais rien moi dans tous ces machins là. Je vais tout regarder un par un, mais ça c'est que des trucs pour soigner. C'est consommable. Ah, ça, elle peut être échangée contre quelques pièces d'or. Et ça, ça aussi. Mais déjà on va vendre ça. J'aurais pas assez, mais bon, ça fait toujours des sous en plus. Hein.
Ça, c'est que des matériaux, donc j'en ai besoin. J'ai rien qui se vend pas, en fait. Enfin, qui se vend, je veux dire. Consommable. J'ai une feuille d'hydrasil là. Ouais, bon, bah j'ai pas assez pour acheter encore un truc. Enfin, en tout cas, un truc qui m'intéressait. À la rigueur, je peux. Vu qu'elle a pu, elle utilise plus son chapeau là pour faire un costume, je peux mettre ça. Pour notre petite Véronica. C'est dommage qu'on n'ait pas moyen de mettre les... Tu vois, sur Dragon Quest Builder 2, tu peux le faire, Sam. Tu peux avoir ton armure et par-dessus mettre une autre armure ou un autre costume, mais juste en tant que cosmétique. C'est dommage qu'on puisse pas le faire sur Dragon Quest là, c'est un peu frustrant. Voilà, j'ai plus de fric. Décerné pour avoir dépensé 10 000 pièces d'or d'un coup. Bah, j'en ai dépensé, voilà. 300 000 pièces d'or. Des arbres à maquette. Oh, ok. Cool. Bah, c'est bon. On peut repartir là-haut. Mais non, on descend plutôt. Ah, il y a encore une petite maison à visiter. Il y a des animaux. C'est l'île aux animaux. Enfin, comment vous avez fait pour les faire venir ici? Ils ont pas la vache qui fait la meute, Théo? De l'arbre monde tombèrent des bourgeons, c'est le petit peuple témoin de toute la création. Puis les graines de l'Yggdrasil se répandirent, les plantes, les animaux et les humains naquirent. Quand tout fut façonné en portant du dragon la lumière, le petit peuple s'élevant aux cieux quitta la terre. Depuis l'heure de là-haut, ces veilleurs nous regardent, loués soit leur nom, ils nous protègent et nous gardent. Ok. Go. Bon bah c'est bon. Ah bah mais ça, bon je sais, ça a déjà fait tout le tour. Ça, j'en avais croisé d'autres. Ah. Merci Loulou. J'en ai vu une. Devant l'espèce de moine, enfin le monastère tout en haut de la montagne de la neige là, mais je sais plus, enfin. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais où c'est. Après, les autres... Le feu, ça brûle. Hein. Wait, the mark. Oh, la chaise est grince. En même temps, Véronica, je la préfère en rouge, donc ça va. Just get squished down into that little thing. Je réobtiens la flamme sacrée. Guiding light, flame of Yggdragon, creator of Erdria, awakens power,
power of Luminary will be useful. Help to find how to beat. Here, Elder. Elder! Puppy! Must awaken power. Power of companions. Elder, walk! Praise me! Companions have light. Light of hope. Must kindle. Strengthen. Leaves of Yggdrasil. Children of world. Il a tout le temps l'air en train de dormir, c'est marrant. Shine forth. Oula, ok. Cool. Oh yeah, I feel amazing. Some say light brings dark. Luminary brings dark one. Not so. Mistaken. Luminary must end this. Break cycle. Yggdragons. Oh, pardon, j'ai coupé la parole. Oula, le papy. Il a fait assez d'efforts pour les 5 siècles à venir, là. Waking tires, Elder. Walking tires, Elder. We will carry. N'importe quoi. Very well. To the lands below. Let us seek out these seedlings. Alors, il les a fait monter niveau je sais pas combien, mais est-ce que tous les petits points là, ils ont été donnés? Oui. Oh, trop bien. Ouh, il y a du boulot. Ok, alors, ça va être un peu long et compliqué, mais c'est pas grave. Morsure du cobra, ouais. Tout ce qui est au poignard, c'est intéressant pour lui, de toute façon. Il y a la ruse aussi qui est bien. Mais on va déjà prendre toutes les petites attaques comme ça, là, c'est toujours cool. Bon ça. Le problème c'est qu'il y a des trucs là, c'est pour les épées, ça c'est pour les poignards, mais il faut que je débloque du coup du côté des épées pour... C'est un peu chiant. Après j'ai pas grand chose, j'ai de la ruse. L'adresse. On va faire ça déjà. C'est quoi ça? Fauche facilité. Ah si je veux farmer des trucs, ça peut être intéressant. Chance d'esquiver plus 5, agilité plus 30. On va prendre ça. Il reste 16 points. Pas de danse qui augmente la capacité de l'utilisateur d'esquiver les attaques. Ça peut être cool. Ou alors ça, mais... Oh, le faire danser, ça peut être drôle. On verra si je l'utilise ou pas, hein, parce que Eric, c'est vrai que je joue pas beaucoup avec lui, mais bon. Créer deux doubles, ce qui triple les dégâts occasionnés par les attaques. Et bah, j'ai très bien fait de débloquer tout ce truc-là. Je l'achèterai. Alors, Miss Véronica. Puissance magique plus 20. Hop, déjà ça je prends. Puissance magique plus 30, je prends. Et ça c'est quoi? Gigaflamme. Anéantit un seul ennemi avec une boule de feu gigantesque. Ah, est-ce que ça marche à tous les coups? Parce que ça coûte quand même 52 PM, c'est un peu cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ça? J'hésite.
Je suis que de passage, vous souhaite une bonne soirée et reste au frais. Bonne soirée, Seiko. C'est vrai que là pour le moment ça va, il fait pas trop chaud, mais ça ne saurait tarder. Du coup, Loulou, je fais quoi? Je le prends ça? J'hésite. Ah. Oh, Loulou qui a offert un abonnement à Kana. Ça veut dire que Kana elle est là? Est-ce que Kana elle est là? Et Matt, est-ce que t'es là, Matt? Oui, okay. Je suis là. Bah, en fait, je sais que c'est moi qui vois, mais est-ce que ça marche vraiment sur un peu tous les ennemis ou pas tout? Enfin, je suppose que sur les boss, ça ne marche pas. La giga flamme, là. Mais genre, pour buter un gros dragon, ça doit être quand même utile, quoi. Oh, ça peut être rigolo. Oh, allez, juste parce que ça doit être rigolo à utiliser. Ça, c'est pas débloqué. Alors, par magie. Bon, elle a le droit de préférer Netflix, hein. Alors, zou, on prend ça. Alors, puissance magique avec la canne, plus 10, plus 20. Bah, plus 20. Oui. J'ai compris, t'inquiète, Loulou. Hop. Bon voilà, Véronica pour le moment c'est fait. Serena. Duo d'armes. Alors déjà tu vas prendre ça. Double baguette. Ouais. Soin magique plus 20, hop. Elle me sert surtout pour soigner, donc je vais pas m'embêter à trop réfléchir non plus. Tant ça pète bientôt. On va prendre ça juste pour voir ce que ça donne là derrière. Alors, j'ai débloqué ce truc là. Champ de la lumière, ouais. Et ce truc là. Augmente l'efficacité des champs. Alors les champs, je les ai jamais utilisés, j'avoue. C'est pas trop quelque chose auquel je fais gaffe. C'est pour brûler Kana à boule de feu. Et ça c'est quoi? Bonus hypertonique. Augmente les bonus accordés en état hypertonique. Ah c'est cool, on prendra ça. Sylvando, il me faut absolument dans ta danse, la danse de soins là. Elle est où la danse pour soigner? C'est où les danses? Ça c'est les épées, donc on s'en fout. Souplesse, ça doit être dans la souplesse. Danse de confusion, ouais ça doit être par là. Danse des soins, elle est là, allez go. Ça c'est bien ça. Charme plus 40, duo d'armes. Bah, duo d'armes. Ok. Joli cœur. Allons-y. Je reprends tous les petits sorts un petit peu rigolos des Sylvando. Alors, figure qui déclenche une averse de pétales de rose pouvant désorienter tous les ennemis. Ça peut être marrant aussi. Ah bah cool! Charme plus 40, adresse plus 20, charme plus 10. Et au niveau des épées, lame de métal, on va prendre ça. Et là, j'ai pas assez. Le fouet, je l'utilise pas. Donc pour le moment, on s'arrête là. Jade, ma jolie Jade. Alors, tir groupé, j'aime bien. Enchaînement violent de 5 coups de pied rapides placés au hasard et qui redonne des PV à l'utilisateur. Ça peut être bien ça. Alors je vais prendre tir groupé parce que j'aime pas, c'est pratique, j'aime bien. Ah bah multi-coup, hop on prend. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tout doucement par là-haut. Et si j'arrive à l'avoir là... Oh, ça devrait passer. C'est quoi, ça? Coup supersonique qui peut projeter une onde de choc sur un groupe d'ennemis. Ok. Alors, attends. On augmente son maximum de PV. C'est toujours bon à prendre. Et...
Ah, surprise. Point de compétence bonus. Ok. Cool, merci. Ça, c'est cool. Force plus 5, on pourrait... Aspirer à coup de pied. C'est un élément de combo, apparemment. On va prendre ça. Et j'ai pas assez pour le reste. Ah mais multicoup, ça peut être cool ça. C'est vrai que lui il a la griffe. Et au niveau des de trucs là. Augmenter les PM. Après j'utilise pas tant que ça donc... je vais peut-être un peu taper dans les griffes. Alors, chance de coup critique à la griffe. Hop. Encore. Hop. Terrible attaque montante chargée de vent placée à l'aide d'une griffe sur un seul ennemi. Ok. Attaque l'ennemi avec une explosion lumineuse qui supprime tous les effets positifs. Oh, c'est pas mal ça. Mais là, il y a plein de trucs. Augmenter ses petits PM. Augmente les bonus accordés en détail hypertonique. Cool, on prendra ça un jour. Hendrik. Alors Hendrik, il est à la hache maintenant. Je l'ai mis à la hache. Puissance d'attaque à la hache. Coupe claire. Cette compétence n'est pas toujours efficace, mais quand elle atteint son but, elle peut entraîner un coup critique. Ok, c'est un petit peu comme les trucs de Jade, sûrement un peu moins puissants, parce qu'ils coûtent pas très cher en PM. Bravache. Violente attaque qui diminue parfois la défense de l'ennemi. Go. C'est intéressant. Il n'y a pas grand chose dans son truc d'hexagramme là, mais c'est pas mal. Parce qu'après, c'est épais tout ça. Hein. Ouais. Après, il y a l'héroïsme. Ah, faut remonter pour l'héroïsme. On va monter par là. Parce que c'est épais long, on s'en fout. Alors, frappe au pif. Attaque lancée au hasard sur un seul ennemi qui ne se doute de rien. Go. Je l'avais déjà, ça, je crois. Kit ou double, sacrifie la défense afin d'augmenter nettement l'attaque. Oh la rigueur. Ça j'aime pas ça. Ok, bon pour le moment là il n'y a plus de points. Série de 6 coups imparables qui frappent un seul ennemi. Oh, on prendra ça. C'est bon, j'ai fait le tour? Ok. Alors, du coup, Bitonio, là, est-ce que t'as une astuce à me donner? Ouais. Mais avec Serena, ça peut être pas mal, je pense. Prends-la, porte-la au pouce dans le monde d'en bas, nous te montrerons souvenir de Yggdrasil. Trouve les trois pouces. Interroge, save, interroge le Treveilleur. Alors, attends. Je sais qu'il y en a une vers le temple, là. Dans la montagne, mais après... Je vois pouce sacré comme celle de temple en dessous. Sur montagne, montagne de discipline, Mandalay. Voilà, c'est ça. Utilise autre façon plus rapide. Ah bon? C'est genre quoi? Je me jette d'ici? Alors attends, parce que je vois qu'il y a des quêtes en plus.
C'était là-dedans. Et du coup, c'est toi. Tristan, grand héros très puissant, a laissé écrit sur ses pouvoirs livre important, livre qui contiennent secrets de ses pouvoirs. Vrai guerrier peut trouver livre, les lire pour apprendre secrets, pour améliorer aptitude et perfectionner frappe au pif. Hendrik, vrai guerrier. Hendrik puissant connaît frappe au pif, doit chercher livre. C'est les livres que j'arrivais pas à lire, je crois. Oui, je les avais lus, mais j'arrivais pas à les lire, je crois. Ok. Faudra que je le fasse à l'occasion. Et du coup, faut que je remonte. Il y a un mec qui va me donner une autre indication. Descendu très longtemps avant, vu arbre étrange dans ancien royaume, royaume en ruine, royaume de Svartrust. Mais endroit avec rochers, plein de falaises, doit y aller et c'est assez la seule façon. Ok. Attends, moi je sais pas si ça va être indiqué sur ma map quand même. Pas très sûr. Hein. Au pire, on essaiera de t'en souvenir. Alors ensuite. Alors, Laguna di Gondolia, mais impossible de marcher jusque là, grande falaise bloc passage, Cetacea doit terminer, ok. Bah vous savez quoi, on va commencer par l'histoire avec Cetacea et puis nous on se téléportera. Je suis pas allé au bon endroit je crois. Non, c'est l'autre. On peut y aller par là je crois. Harpe de Serena, très belle, très beau son, de très bonne facture, moi c'est moi luthier. Serenica aussi avec harpe, son apaisant, guérissait maux, guérissait douleur, utilisait corde spéciale fabriquée par veilleur avec pierre rare, cristal d'harmonie. Donc on a où le cristal d'harmonie? On sait pas où. Ok. À l'Alice. D'accord. Ok. Donc là où j'ai pas... Enfin la clé. Ok, j'ai une clé pour y aller. Ça aurait été trop facile que j'ai déjà la... la truc. Mais bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir notre petit cétacea. Et puis on va s'envoler vers d'autres cieux. Et je me suis encore trompée de chemin. C'est pas grave. Je suis désolée pour toi, loulou. Et coucou, Kana. Coucou, la faux cul. Non, c'est pas par là. Je suis trop bête. C'est vrai que je m'étais pris une bouteille d'eau, mais j'ai pas pensé à boire. Alors. Ok, ils nous ont indiqué les petits points, ça c'est cool. Ben, on va aller directement par là-bas, là. Ah c'est pas mal ça Kana. Est-ce que tu as pensé à boire? Il faut boire.
un sept-arrêt. Le sept-arrêt de bus. Tout 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 tout. Non, c'est juste pour décorer. Ok. Oh, les petits chars. J'ai été voir le roi lion ce matin. Les petits chars. Les points lumineux, ils étaient où déjà? Et Nain que j'ai loupé. Ça commence bien. Ah oui, je le vois. Il est là. Tout doux, tout doux. Fais attention, Kana. Hein. Baston ou pas baston? Est-ce qu'on tabasse des bébés? Tabassons des bébés. C'est vrai que c'est cool quand on a plein de petits sorts là. Un groupe d'ennemis. Bah go. Ah, j'ai débloqué tous ces trucs là. Mais il me faut des épées spéciales, c'est ça? Ok, bon, je sais pas. Moi, j'aime bien mon épée. Bah, ça dit à l'aide d'une épée de pierre ou je sais pas quoi, donc je suppose qu'il faut des épées spéciales. Alors, moi j'aime les ces épées longues là. Décroche les ananas. Ouais. Gigamache. Ça c'est bien ça. Maximum de PV plus 20. Ah, ça peut être bien aussi, ça. On va prendre ça. J'ai pas assez. Bah, je prendrai ça la prochaine fois. Alors, attendez. Je me mets en sécurité. C'est dans les caractéristiques, les compétences, là. Alors, brise-flamme. Attaque légendaire placée par l'éclairé qui fend tous les ennemis à l'aide d'une épée incandescente. Attaque légendaire passée par les kiri qui font les flots et tous les ennemis, le ciel et tous les ennemis. À l'aide d'une épée de lumière, à l'aide d'une épée des ténèbres. Oh, je suppose qu'il faut des épées spéciales, mais je sais pas, moi j'aime bien mon épée. Alors, j'ai pas loupé un point lumineux? Si, j'ai loupé un point lumineux, bien sûr que j'ai loupé un point lumineux. Derrière le gros chat. Mais j'arrive plus à refermer ma bouteille. Hop, voilà. Saw that too, right? Yes, that man, the mark on his hand. Oh, you don't think
I do. And I've a feeling you've the same instinct, laddie, eh? That was Erdwin, the luminary of legend. Well, we've seen that they forged the Sword of Light together, but that doesn't tell us what happened with Erdwin's lantern. We need another seedling, laddie. Super, ce fut un voyage inutile. Tu peux aller là-dedans? Non. J'ai fermé la bouteille. Non, 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 je l'ai toujours l'épée de lumière, c'est juste que j'utilise pas. Moi je préfère l'épée à deux mains. Qu'est-ce que tu dis? Oui, vachement mieux ton son. Attendez, c'est par où? Je suis perdue. Par là. Oh, c'est à là-bas. La Guna de Tungikunduria là. Tic 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 au bout là-bas. C'est joli ici, j'aime bien. Allez, il n'y a pas d'ennemis ici d'ailleurs. J'ai rendu magique. Enfin, on va rendre magique machin là. Wow! Did you see that? That was one well-dressed whale. Pourquoi il y a un bot qui me parle là dans mon chat? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Very tough all of a sudden, didn't she? Could dressing her up like that be the key to getting through to where Kalasmos is? Grâce à sa super corne renforcée, paf, on va pouvoir faire un gros trou dans le truc. I suspect it might. Well, let's not jump to conclusions. First we need to see what the next seedling has to show us. Alors la prochaine, je crois que je peux y aller en mode téléportation et c'était Mandalay.
Et la pousse, elle était juste devant. Voilà. Mais elle était pas activée. Allez, go. Et après, c'est ta grosse baston, quoi. That was Cetacea we saw, wasn't it? Flying toward the Dark Star. I suppose that means she really was the key to breaking through to the Dark One. But what exactly do we need to do to dress her up like the old heroes did? In another pickle, are we? Ah. Bah, elle vient vachement nous rendre visite souvent en ce moment, elle. Hein. Where did you spring from? If you're looking to give Cetacea a little more oomph, you'll be needing the help of the sage Serenica. Oh, Serenica, elle est un petit peu morte, je pense. But to do that, you'll need to find her, of course, which will require another memory. Ou alors elle est vraiment très vieille, mais. Another one, but we've visited all the seedlings. Come a little closer, would you, Veronica, dear? My eyes aren't what they used to be. Huh? Hmm. Yes. You're not quite as you should be, are you? Why does that matter? Here. Pop this on for me. Oh. 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 Je crois que je vais être déçue de ce qui va se passer. Voilà, je savais bien que j'allais être déçue. Oh. Enlève ce collier, vite. Vite. Serena, join your sister over here, will you? En plus, elles sont toutes les deux habillées en rouge maintenant. Non, mais bravo, quoi. As I'm sure you're well aware, your destiny is to guide the Luminary. When the two of you get together, and pray with all your hearts. But this wasn't possible with Veronica in her reduced state. Who are you? Who are you really? Oh, c'est vrai, je peux plus lui mettre le costume de chat en plus. Now, are you ready to fulfill your destinies? I'll need you to pray like you've never prayed before. Can you do that for me? Eh ben dis donc. What could this mean?
I think it means they turned into a tree. C'est quoi ce bordel encore? Come closer, Luminary. The tree has something to show you. Tu peux pas m'en rendre mes magiciennes, s'il te plaît? Parce que je sais que je vais en avoir besoin. Mais carrément, ouais. Morkant, wherefore wouldst thou? Oh, le petit bâtard. Oui. C'est Link le vieux. Such power. C'est un cosplay de Link. Oh, it doth burn black within me. So this is the might of the Dark One. Faut toujours un traître dans ces histoires-là. Hein. Il est où Judas? Of all the Lord Down. Betrayed by the very man he trusted most. That's how the Luminary of Legend died? The poor thing. The tree is still glowing, I see. I rather think it might have more to show you. Non, mais t'inquiète, Loulou. Ah mais pourquoi tu m'as fait reculer? No weapon save the Sword of Light may end the Dark One's life. Cannot be used. No luminary now. Only he may wield. Thus cannot kill, but can imprison. Serenica. Friends, lend me thy powers, that I might bind him and banish him forever. Forever, ça dure pas très très longtemps du coup. Hein. What now, Serenica? What doth the future hold for thee? The Sword of Light belongeth with the World Tree. I mean to bear it thence. Thereafter, I shall venture forth upon a quest. I shall seek him out. I shall find him.
Erdwin, my love, I will be reunited with thee. I swear it. Time's fear. I need only shatter it and... Ah bah bravo. Wherefore? Am I not strong enough? Would that I might have seen thy face but once more before I passed. D'accord. OK. That's so sad. So Erdwin's lantern was no star. Nor was it the Luminary's final resting place. Ah oh bah non, couf, hein. Non, pas non, mais cool, elle est toute petite. You've done as you were meant to do, girls. You've given the Luminary the guidance he needed. Trop bien. We saw it too. We saw what happened to Serenica. What she became. She's still there, you know. Up in that tower. And she still holds the key to defeating the Dark One. How come you know about all this stuff, anyhow? Didn't it all happen centuries ago? How indeed, my inquisitive young friend. Perhaps I had better show you. Huh? What? You? Yes, me. Morkant. What? Erdwin's erstwhile companion. Et ça file des migraines, hein. Attends, je veux les réactions de tout le monde là. Bon bah go, hein. Raconte. There was a voice, you see. A voice inside my head. As Erdwin raised his sword to smite the Dark One, it spoke to me. Strike him down, it said. Kill him, and I will grant you power beyond your wildest dreams.
I tried to close my heart to those intoxicating words, but before I knew what was happening, my friend lay at my feet. The Dark One's power filled me, corrupted me, poisoned my mind. I became Mordigan. Mais, oh, c'est trop compliqué là. But even then, a part of me held out against the darkness. D'accord. In time, it took on its own form. En gros, il s'est séparé en deux, quoi. Stands before you now. Now Mordigan is defeated, and so I too must fade. The Timekeeper awaits you, Luminary. In a place north of the World Tree, the power of the Watchers will take you there. Now, go and give the Dark One our hiding. And bring this story to an end. Oh, pardon, je t'ai coupé la parole. C'est pas grave, meurs plus vite comme ça. Hop. There he goes. I guess we'd better get moving, huh? Sounds like we need to go see the Watchers. Eh bah dis donc. Veronica et Serena apprennent le combo d'équipe bombe atome magique. Oh. Let's go. Attends. C'est une nouvelle quête ou c'est une quête que j'avais déjà eue? D'accord, ce serait pour avoir des pouvoirs améliorés. Je pense que... Alors, il faudra qu'on fasse toutes ces quêtes ensemble. Avant d'aller battre le gros boss. On fera pas ça aujourd'hui. Ou je le ferai de mon côté, je sais pas, mais... Histoire d'être vraiment au taquet pour aller se faire le gros boss. Ça, je suis déjà perdue, moi. Elle veut, c'est le grand maître machin qui veut me parler, mais c'est où? Oui, j'avais déjà pris sa quête, je crois. Ouais. C'est quoi une épée impériale de puissance plus 3. Ok. Heureusement que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, parce que moi j'allais me casser, voir directement les veilleurs. Welcome, Prince of Dundrasil, to Angrila. I am Pan, Grand Master of the Temple. We humbly swear to honor the ancient agreement, to accept you as a disciple, and cultivate your physical and spiritual strength as best we can. What's the matter? Too many long words? Fine.
Allow me to explain it all in terms you'll understand. For as long as anyone can remember, the sons of the Dracilian royal family have been sent here to be educated for 6 years of their youth. As the crown prince of Dundrasil, you too were supposed to have come here as a boy and trained under me. When your homeland was destroyed by monsters, the world thought you dead. But still, we held out hope. For me... It's been a long time, Master Pang. Forgive me for not visiting you sooner. My dear Robert, it has been rather a long time, hasn't it? I must admit, I had thought we would only meet again in the next world. C'est ce qui s'est passé dans une autre dimension, du coup, mais... Speaking of which, you look like you've seen a ghost, boy. Though I must admit, I have a similar feeling. It's as if we've met before somewhere. Ah, but I'm getting ahead of myself. I would so like to have a nice, long chat with my lovely new disciple. But there are more important matters at hand. Even from half a world away, I can feel the evil aura emanating from the dark star. It is a body of unfathomable wickedness. You mean to destroy it, don't you? Un programme d'entraînement spécial. It just so happens that there's a special training regime here at the temple. We call it the Wheel of Harma. I will summon forth the constant cycle of fiendish foes that will push your powers to the very limit. Many have attempted to conquer the wheel, but though the trial has existed for a millennium or more, none have succeeded. If you're feeling brave, speak with the High Lama. Grandmaster, I have spent years practicing everything you taught me. Focus, discipline, abstinence. Let me show you what I can do. Very sprightly. I'd like to see how you come along, Rab. You certainly seem a lot more focused than when we last met. Oh, I'm focused, all right. Come on, you young whippersnappers. What are we waiting for? I have a thing or two to show you. Hey! Je l'attendais, ce truc-là. Il est mort. I take back everything I said. Come here, Robert. We have a record to break. Du coup, on pouvait pas terminer le live d'une meilleure manière que celle-ci. Ah, trop fort. Bah, je vais pas faire tout de suite, je ferai au prochain live le truc de la roue infernale, je sais pas quoi, parce que ça a l'air d'être assez long. Donc on va s'arrêter là, mais... N'importe quoi. Peut-être juste aller voir ces mecs là, non mais normal. Impossible. A plus Spectra. Et je l'ai déjà quadré la serre. Bon, bah du coup on fera la route de Darmal la prochaine fois. Petite sauvegarde. Hop. Bah du coup des bisous et puis bonne soirée à tous. Et puis à dimanche prochain. Oui. Pour la suite de Dragon Quest, après, dans la semaine, je risque pas trop de faire de live, à moins qu'on nous libère par rapport à la canicule, et encore avec la canicule, je suis pas sûre de limer mon PC pour faire un stream. Du coup, voilà. Des bisous, et puis à la prochaine. Bye bye!